Je n'ai pas réveillé ma fille. Elle risque pas, on peut rentrer jusqu'ici. S'il te plaît, ne réponds pas trop fort. On est parti. J'ai besoin que tu me rendes un grand service aujourd'hui. À l'école? Mais non, pas à l'école. Bah, tu me diras ça tout à l'heure parce que je suis en retard. Non, tu ne vas pas aller à l'école. Ça dit, je vais pas à l'école. Non, non, mais c'est pas. Couche. J'ai besoin que tu me rendes un grand service et que tu ailles voir ta mamie. Non. Non, je peux pas aller voir mamie. Mais va encore m'obliger à regarder les feux d'amour. Mais c'est pas de la fille. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Bah, pour une fois que je vais pas à l'école, hein. Écoute, j'ai besoin de t'avoir ta mamie, que tu lui demandes comment elle va. Et puis, il faudrait que tu lui demandes qu'elle reprenne papy. C'est plus possible, c'est trop petit ici. Et puis, du vite papa. Non, ne lui parle pas de ça. Regarde juste comment elle va. Et enfin, si on pourrait lui amener quelque chose, tiens, la galette. Peut-être une galette. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien se rappeler? La confiture? Bonjour les filles, j'ai l'impression d'avoir marché des kilomètres. Bonjour Fanny. Bonjour papa. Je m'assois? Il n'y aurait pas un peu de café? Non papa, il n'y a plus de café. Ben, un petit coup de rouge alors. Ben oui, il y a la bouteille de... Chut, mais non, plus de rouge non plus. Eh ben, de toute manière, hein, ton mari, c'est un incapable. S'il te plaît, tu es sous son toit, on ne le critique plus. Qu'est-ce que vous préparez? Ben, mamie est toute seule maintenant, alors je vais aller la voir et... Je vais voir comment elle va. Et dans ce panier? Ben oui. D'accord, ben... Tu pourrais peut-être lui rajouter quelque chose, hein, afin qu'elle pense à moi. Est-ce que tu veux lui mettre, papa? Ben, je sais pas, je peux peut-être lui mettre... une bague dans la galette, tiens. Non, c'est une bague, c'est une bonne idée. Tu as une bague, toi? Ben non, mais bon... Tiens, elle est jolie, celle-là. C'est ma bague de fiançailles. Ah bon? T'es mariée, toi, maintenant? Allez, maman, donne-lui la bague. Non, je donne pas ma bague. Ça c'est vrai. Hey, non, un poème, je pourrais lui écrire un poème. Ça, c'est bien une lettre d'amour, je prends un stylo. Bon, t'es prête? Oui, comment on commence? Cher amoureux. Non, tu vas lui mettre ma coquine. Ma coquine? C'est pas très romantique, hein, ma coquine. Hein. Moi aussi, des fois, tu me diotes, une coquine. Mais si, c'est romantique. Hein? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hein? Tu vas lui mettre donc ma coquine. Ah non, je veux pas entendre ça, moi ça m'est mal à l'aise. Et ben va ranger ma chambre si t'as pas envie d'entendre. Ne parle pas comme ça pour ton grand-père. Et oh, les filles, hein, je vais dire ça, doucement. Tu vas lui mettre. Je ne pense à toi qu'une seule fois par jour, mais cela dure 24 heures. Ah non, c'est super, papy. C'est romantique, non? C'est super romantique. De toute façon, maman, elle s'y connaît pas en romantisme. Mais c'est pas passé. Alors tu vas finir par ton grand fou. Ton grand fou. Bon ça y est, c'est fini. Oui, j'ai fini. On prend bien tout. Ouais, j'y vais. Et surtout pas papa, n'importe qui dans la forêt. Au revoir ma chérie. Moi j'ai fait dans ma culotte. Justine. Gigi. C'était l'été 49. J'avais 16 ans. Et là, je suis tombé amoureux d'une jeune fille magnifique, remarquable. De toute beauté en ça. J'ai été pris d'un coup de poudre. Ça fait 65 ou 63 ans qu'elle aime ma mamie. Vous comprenez pourquoi je suis triste, hein? Comment je peux faire pour l'accepter? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Ben dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Excusez. Par exemple. Mais il y a autre chose. Je vais remonter la bande. Je vais me battre pour la récupérer aussi, ma vie. Hein? Y a pas de raison. Je vais lui ouvrir mon cœur à ma vie. Hein? Et je vais peut-être même lui décrocher le pompon.
les genoux. Si le cœur prend vie, ma jolie, t'es tout droit. Je veux être la vie.